Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons quand même faire des petites créations de Noël. Hein. Donc je voulais faire des petites boîtes de Noël hein, pour mes petits-enfants, pour leur mettre un petit peu les friandises. Donc là je vais vous proposer de faire un cube de Noël. Donc on aura besoin de papier, hein. Donc vous pouvez prendre des papiers d'imprimer de vos blocs Action ou vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc moi je vais le faire déjà sur du papier blanc et je le décorerai ensuite. Donc on va faire des carrés. Donc on va faire des carrés de 16 cm de longueur et 16 cm, voilà. Je disais 16 cm de longueur et 16 cm de largeur. Voilà, donc un carré, je mets 16 cm, donc je vais enlever ma feuille du dessous déjà, je mets 16 cm, donc sur 16, je fais un tracé, je vous explique bien, puis après vous pouvez tracer avec votre massicot, hein. Je ne le vois pas, 16 cm. C'est un tracé, et là je mets 16. 16 et 16. On peut très bien faire un cube avec un seul papier, mais nous n'aurons pas assez de papier assez large pour faire ça. Acheter vraiment une grande feuille, donc on va essayer de se débrouiller avec le matériel qu'on a. Donc là je fais la déco de mon carré. Donc ça vous donne un carré, ça vous donne ça, un carré. Ensuite, nous allons porter les mesures suivantes. Nous allons faire 1 cm, 1 cm, et sur le bas pareil, 1 cm. Sur le bas, nous allons porter 1 cm, et le bas aussi 1 cm. Et nous allons faire une pliure de chaque côté. On va poser notre règle, vous pouvez aussi le faire avec votre plioir, hein, tout dépend comment vous travaillez. Moi je vous explique, je ne vais pas sortir tout mon matériel, mais vous pourrez le faire. Après c'est à vous à faire selon ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, quand vous avez fait ces deux pliures, nous allons prendre sur le haut 1 cm, là où il n'y a pas de pliure, 1 cm. Sur le bas, pareil. Oh, j'allais tracer, excusez-moi. Donc, nous allons faire la pliure. Hein. On va poser pareil que l'autre. On va poser sur nos deux points. Et on va faire une pliure. Donc, ça nous fait... sur notre carré, 4 petites pliures. Donc nous allons enlever le petit carré de 1 cm de la pliure à la pliure. Deux, trois et 4. Donc nous allons en faire 5. 5 comme ça. Le sixième, il ne sera pas pareil parce qu'il aura le rabat pour la fermeture, ça sera le haut. Donc vous en faites 5. Donc moi j'en ai déjà fait à l'avance. J'ai déjà fait mes 5. Et nous allons ensuite, donc j'ai fait mes 5. 1, 2, 3, 4 et le cinquième. Et là, je n'ai pas encore... plié, donc on va le faire ensemble.
Et le cinquième, il est là. Je pensais l'avoir fait, mais non, je n'en fais que quatre. Donc, je le fais, ça vous permettra de regarder un peu. Je pense que ce n'est pas compliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'on va faire un cube. Comme je ne peux pas tracer un cube, et moi, je préfère, sur le cube, faire des renforcements. Donc, il sera un peu plus solide. Comme on va mettre des friandises, et c'est peut-être... Vous pouvez le donner pour des adultes ou des enfants, mais comme moi, c'est mes petits-enfants, et qu'ils ont tendance à les bouger énormément, je préfère qu'ils soient un petit peu renforcés. Donc, le haut aussi, nous allons... là, mettre nos deux, j'ai pas mis là, j'ai pas fait la mesure du bas, voilà. Et là, on fait notre pliure. Voilà. Ensuite, je dégarnis les bas. Les quatre côtés, bien sûr. Et là, j'ai terminé 2, 3, 4 et 5. Les 5. Le sixième, nous le ferons après. Donc, une fois que nous avons fait nos 5 nos carrés, nous allons les coller. Donc, on va prendre la colle. Alors, je prends la colle déjà. J'espère que ça va descendre, hein, comme d'habitude. Donc, nous allons prendre, vous avez un carré avec la languette. Nous allons plier la languette comme ça et nous allons venir coller celle-ci dessus. Voilà. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait, pourquoi on n'a pas, ne pas faire de languette coupée. Mais je préfère parce que ça fait un très joli bord après. Donc nous allons la coller dessus. Je vous montre. Je la mets de mon côté. On la colle. On met de la colle sur la languette. Si elle veut bien descendre, madame, parce que c'est pas évident. Non, mais écoutez, non, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Oh, là voilà, là ça descend. Ensuite, on va coller notre autre petite languette dessus. Vous la collez bien. Elle doit vraiment être bien comme il faut, comme ça. Une fois que vous l'avez collée comme ça, voilà, nous allons la tourner dans l'autre sens et nous allons coller la languette ici. Voilà. Donc, ça doit être bien collé, comme ça. Là, voilà. On va attendre qu'elle colle bien. Donc, j'espère que vous avez compris. On fera la deuxième ensuite. Voilà. Donc, nous avons collé dessus et nous l'avons collé sur le papier. Ça vous donne ça. Vous avez les deux languettes qui vont se poser comme ça, vous voyez, l'une sur l'autre. Et sur le bas, vous l'aurez une sur l'autre aussi pour coller. Et nous allons faire la deuxième. Donc, je vous montre bien la deuxième. La deuxième, nous allons mettre de la colle. On va essayer comme ça, pour que vous compreniez bien. De la colle dessus. Nous allons la coller dessus. Voilà, dessus. Comme ça, c'est pour renforcer les coins que j'ai fait ça. Donc, on va attendre bien que ça colle. La colle demande un petit moment avant de se coller. Maintenant qu'elle a bien collé la languette, nous allons mettre celle du dessus, regardez, dessus, vous voyez celle-ci, sur la languette qu'on a collée ici, vous voyez. Donc on va mettre de la colle ici, regardez, ce sera peut-être beaucoup mieux pour vous. Et là, nous allons placer celle-ci, voilà. La placer bien dessus, il faut qu'elle colle. Et là, vous avez, vous voyez,
Elle n'a pas encore collé. Vous avez un bord très très joli. Voyez, avec la pliure. Voilà. Donc je vais bien attendre qu'elle colle, bien sûr. Elle a bien collé, ça fait un joli bord. Vous voyez, elle a bien collé, vous attendez bien qu'elle colle. Et là, ça vous fait votre deuxième partie. Là, ça se mettra dessus et sur le bas, la languette dessus. Et nous allons continuer la prochaine. Alors, on fait pareil. On a mis la colle, on met notre languette qui doit bien coller. On met de la colle sur notre bord et on la superpose à l'autre languette. Bien sûr, on attend toujours que ça colle. Et on fait bien le bord. Hein. Et ensuite, nous allons faire la dernière. Donc la dernière, pareil. Hein. Nous mettons de la colle sur le bord. Nous le plions. Nous attendons qu'elle colle. Nous mettons la languette et nous plions le reste. Nous attendons bien sûr qu'elle colle. Voilà. Et attendre qu'elle colle, bien sûr. Donc ensuite, nous avons plus qu'à, voilà, mettre pour le fond 4 petits points sur, voilà, pour coller nos 4 petits coins là, petit carré, voilà. On va coller notre 4 petits coins qui sont bien collés. Je vais attendre un peu. Le temps que la colle elle agit, il faut lui attendre un petit moment. Pareil pour là. Donc là, hop. Et là, ça, on va mettre le fond du cube. Alors, pour le fond du cube, nous allons coller nos 4 languettes. Et donc, nous allons mettre la colle sur les 4. Sur les 4 petits bords de notre carré. Et nous allons coller tout ça. Bien attendre que ça colle. Donc là, j'ai bien collé mes petites languettes, ce qui me permet bien d'être, ça a bien renforcé mes bords. Vous allez peut-être avoir des petits, vous allez avoir des petits bords peut-être qui dépassent comme ça. Hein. Donc vous les enlevez. Voilà, vous faites bien vos petits côtés correctement s'il y a des petits bouts qui dépassent. Bien sûr, vous les enlevez et ensuite nous allons coller notre fond sur notre cube. Donc pour le fond, hein, c'est très simple. Hein. Vous allez mettre de la colle autour de votre cube. Vous allez placer votre fond et vous allez attendre bien sûr que ça colle correctement. Vous allez retourner votre cube. Bien sûr, il s'est enlevé. On va recommencer, le remettre bien comme il faut. Voilà. Bien votre cube, il faut bien le mettre. Hein. Qu'il soit bien. Et une fois qu'il a bien collé, vous allez le retourner pour pouvoir bien coller vos languettes à la bien collée. Voyez. Donc ça vous a fait votre cube à l'intérieur qui est bien collé. Donc, on va retourner notre cube. Et là, ça va être notre couvercle. Donc, pour notre couvercle, nous avons les 3 languettes. Nous allons les coller. C'est pour vraiment renforcer notre cube ici. Par contre, il n'y en aura qu'une que vous ne collerez pas. Parce que nous allons coller notre couvercle dessus. Donc, je colle mes languette, je mets de la colle et je colle, je mets de la colle et je colle aussi, et je mets de la colle et je colle ici. Je le fais hors caméra parce qu'il faut attendre bien que ça colle. Et ensuite, nous nos bords ont collé, donc il nous reste la languette du haut pour notre rabat. Nous allons faire la dernière. Donc nous allons découper un rectangle de, alors je vérifie, 15 centimes, 16, excusez-moi, 16 cm sur
20 cm. Donc un rectangle de 16 sur 20 cm. Ensuite, en haut, à 1 cm du bord, à 1 cm du bord, vous mettez une pliure sur le haut. Ensuite, 1 cm du bord du haut sur le côté, 1 cm sur le bord du côté, vous faites une pliure. Ensuite, sur l'autre côté, 1 cm du bord, 1 cm du bord, vous faites une pliure. Ensuite, à partir du haut, vous allez mesurer. Alors, attendez que je ne fais pas de bêtises. Hein. Vous allez mesurer, je regarde. Du haut, vous allez mesurer 15 cm. 15 cm. Et vous faites une pliure. Donc, du haut, 15 cm. 15 cm, une pliure. Ça va vous donner ça. Donc là, on va coller le truc là. Ici, et voilà, c'est pour votre bord, ici et là. Donc, on va coller ici, ici et là. Le rebord rentrera à l'intérieur du cube. Je ne sais pas si ça vous voyez. Donc, je vais déjà coller les côtés, là, avec ma colle, pour bien renforcer ma boîte. Donc, je mets de la colle. Je ne vois pas beaucoup, hein. Je vais allumer un peu, je ne vois pas. Donc, on va mettre de la colle. J'ai ma lampe qui marche, mais quand il fait vraiment trop nuit, c'est quand il dépasse un certain horaire. J'ai, voilà, on va coller le bord ici. Je vais coller l'autre côté, l'autre bord. Donc, nos bords ont collé. Donc, on se retrouve avec notre... rebord comme ça. Cette languette, nous allons la coller sur le bord, mais avant de faire tout ça, nous allons faire des décorations. Donc normalement nous allons décorer la boîte, mais nous allons décorer, je vous montrer le couvercle, parce que moi je veux faire une ouverture. Donc si vous voulez faire une ouverture comme moi, vous allez procéder de cette façon. Déjà, j'ai découpé une garniture pour mettre sur le haut de ma carte, donc je vais la coller parce que je vais faire une ouverture. Donc si vous voulez faire une ouverture, il faut d'abord mettre votre... Oh. J'ai peut-être plus de colle, voilà. Il faut d'abord mettre votre garniture. Donc je colle ma garniture, je mets à peu près parce qu'il va y avoir une ouverture. Je la colle bien, voilà, je laisse mon liseré, ça vous donne ça. Donc ensuite vous allez ouvrir bien votre vos deux rabats, hein, le rabat du le grand rabat qui va aller à l'intérieur du cube et le rabat qui va rattacher à la boîte, qui va se rattacher à la boîte. Là je veux faire une ouverture, donc je vais mettre mon die comme ça et je vais faire aussi une petite garniture en bas. Donc j'ai pris un die bordure que je vais placer comme ça. Je vais passer ça sous ma machine à découper et je vous reprends. Donc je l'ai passé, je vais enlever mes petits bouts de scotch. Hein? Oh, j'ai fait une bêtise. Voilà, vous voyez. Bon, moi je ferai une garniture. Voilà, ça m'a fait mon ouverture. Ensuite, après, à vous de jouer avec vos dies. Ensuite, j'ai pris du papier blanc. Donc, j'ai mis mes deux dies comme ça. Et j'ai pris du papier blanc et j'ai passé sous la machine. Et ça m'a donné ça. Donc, qui se mettra sur le dessus. Voilà. Voilà ce que ça m'a donné. Donc là, je vais la coller tout de suite, comme ça. Déjà, je vais enlever les petites, voilà, ce qu'il y a en plus, hein, pour bien le mettre sur mon modèle. Donc, vous faites un peu l'ouverture que vous voulez, hein. Comme moi, ce sera pour les fêtes, je voulais une jolie petite ouverture pour mes petits enfants, voilà. Donc là,
Je vais coller. J'ai enlevé tous mes garnitures. Là, j'enlève tout ça qui est sur ma vitre. Là, je vais coller sur mon ouverture. Donc, vous jouez avec vos dailles, hein. Je vais mettre de la colle tout autour. Et je la place autour de mon ouverture. Vous la mettez bien. Il faut bien qu'elle s'adapte à l'ouverture que vous avez faite. Je prends mon papier. Ça vous donne ça. Donc, j'avais aussi le dail de la bordure en bas, donc je vais l'enlever. Maintenant que j'ai fait mon ouverture, là, on va essayer d'enlever notre dail un petit peu sans faire de bêtises, parce que j'ai l'impression que ce scotch est un petit peu. Donc mon dail ne va pas jusqu'au bout, donc je l'ai bien mis au centre, et là je vais faire une petite découpe, un petit peu que ça fasse joli. Pour enlever le bord ici. Ici, pareil, je fais une petite incision que ça fasse joli. Donc là, j'enlève. Avec mon petit pic, je vais essayer d'enlever. Et voilà les petits qui sont à l'intérieur. Donc ça vous donne déjà. Ça vous donne ça. Une fois là. Quand nous allons la placer, ça va faire un trou. Il faut que ça soit fermé quand même. Donc, je vais mettre du rhodoïde. Donc, j'ai découpé, je vous dis à peu près les mesures. J'ai oublié de vous dire les mesures de l'habillage. Hein. C'est pareil, hein. Vous mettez 14, c'était 14. Donc, il faut mettre 13,5 sur 13,5. Ici, donc, j'ai fait une découpe d'un rhodoïde de 13 sur 9, et là je vais le coller à l'arrière de mon travail. Donc je vais mettre de la colle autour de ma figure là. Faites attention que ça bave pas, donc vous mettez bien de la colle autour. Et là je vais mettre le rhodoïde. Donc je place mon rhodoïde. Attention qu'il bave pas. Ensuite, après mon rhodoïde, je vais mettre autour parce que le rhodoïde ça ferait moche. Donc j'ai fait une ouverture avec du papier pour mettre à l'arrière. Donc vous reprenez votre dail, vous découpez un papier de 13 sur 13, vous faites l'empreinte de votre ouverture et vous collez l'arrière pour que ça fasse joli. Pour qu'on pas on voit pas le rhodoïde. Alors je mets de la colle partout là sur toute la surface et là je vais le mettre sur ma figure. Faites attention de bien le mettre pour pas qu'il dépasse de l'autre côté. Hein. Donc normalement c'est la figure, c'est la même. Donc vous essayez de l'adapter. Voilà. Hop, et si ça dépasse un peu parce que vous l'avez pas bien centré, vous faites des petites. Voilà. Hop. Attention. Et là, vous faites comment ça s'appelle? Des petites coupures, hein, des petites rectifications, on va dire. Fou, le soir, j'ai du mal à parler, hein. Là, je regarde de l'autre côté que qu'elle est bien mise, qu'elle ne se voit pas. Je regarde.
C'est parfait. Ça vous donne ça. Regardez. Une fois que vous avez fait ça, nous allons coller notre languette avec notre languette, voilà, du dessus, que je vais d'abord coller. Hein. Donc je la colle bien comme il faut. Je la colle bien pour bien qu'elle tient. Je la colle bien et ensuite je vais mettre de la colle sur la languette et coller l'autre languette dessus, bien sûr. Voilà, et là je mets ma languette. Là, je la place bien. J'attends bien qu'elle colle. Hein. Il faut bien attendre qu'elle colle. Donc, vous appuyez bien parce que c'est un peu fragile avec le papier. Mais une fois que vous allez mettre les habillages, elle va devenir un peu plus. Elle va tenir bien sur elle-même. Hein. C'est normal, c'est du papier. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore bien habillée. Une fois arrivée à ce stade, nous allons commencer les décorations. Donc, j'ai travaillé avec deux livrets de chez Action. Celui-ci, l'ancien, pour celui-là, pour faire les fonds. Et celui-ci, pour les petits personnages. Donc, on va commencer déjà par le fond. Et celui-là, j'avais une chute que j'aimais beaucoup. Donc, celui-là, vous allez couper des habillages de, je vous dis la mesure, de 13,5 sur 13,5. Donc, celle-ci va se placer sur le fond de la boîte. Sur le fond de la boîte. Donc, je vais la coller déjà. On va la mettre au fond. Je la trouvais assez jolie. C'était une chute d'une création que j'avais faite. Donc, je trouvais qu'elle était pas mal. Donc, je vais la mettre au fond de ma boîte. Ça vous donne ça, le fond. Ensuite, le fond de notre boîte à l'arrière, je vais mettre, comme j'ai mis le rouge, je vais mettre du rouge aussi. Donc, je vais mettre celle-ci. Donc, n'oubliez pas d'ancrer vos papiers. Hein. Donc, je vais mettre celle-ci. Si elle veut bien sortir, bien sûr. Donc, toujours 13,5 sur 13,5, vos habillages. Et là, je vais mettre... Mettez bien. Ça vous en fait une. Vous retournez votre... Vous choisissez vos papiers. Hein. Moi, je vous montre. Donc, le devant de ma création, je voulais mettre celui-là. Non, pas celui-là. Je voulais mettre celui-là. Donc, j'ai pris celui-là, deux comme ça, toujours dans l'ancien livret, et deux comme ça pour les fonds. Un simple et un avec des petits points dorés. Je trouvais ça assez fête. Donc, pour le devant, que je ne me trompe pas, je vais mettre celui-là. Attention. Voilà, j'en mets un comme ça. Et l'autre, je vais le mettre le même dans l'autre sens, de ce côté. Pas que je me trompe parce que le soir c'est pas évident. Donc celui-là sera de ce côté et les deux autres seront l'un en face de l'autre, pareil. Je ferai des fonds simples comme j'ai l'intention de les décorer. Donc après vous pouvez mettre des images, vous mettez un peu ce que vous voulez. Cette année je voulais faire ça pour mes petits enfants. Et là je vais mettre celle-ci de ce côté. Je trouvais assez original de faire un petit cube. Donc ça les change un peu. Et comme je voulais mettre plein de petits objets à l'intérieur pour les fêtes. Après vous pouvez changer les dimensions, faire
moins grand que moi, hein. Oh, attention. Donc ça vous donne ça. Donc toute votre boîte est habillée. Maintenant, il va falloir que nous la décorions. Les décorations, je les ai prises dans le livret, le nouveau livret, hein, de chez Action. Donc je les ai photocopiées parce que je ne peux pas découper les photos parce qu'il faut que j'en fasse deux. Donc si je les découpe, il va falloir que je m'achète deux livrets. Et ce n'est pas le but. Donc j'ai photocopié la page, j'ai fait des découpages, j'ai enlevé des découpages parce que j'aime bien quand c'est un petit peu, vous voyez, on découpe carrément, on ne laisse pas la carte complète, voilà, comme celle-ci, je crois que c'est, je ne sais pas où elle est, voilà, donc je ne laisse pas la carte complète comme ça, je les découpe, hein. Alors là, on va les coller, donc celle-ci, je vais la mettre devant. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Elle m'intéresse bien. On va la mettre ici. On fait déjà on décore déjà les grandes surfaces et ensuite on vient compléter chaque fois chaque petit. Je vais mettre en bas là. On va décorer déjà les surfaces et après on viendra faire les petits détails. Donc ça, je vais mettre ça là. Celle-ci, je vais la mettre, je regarde un peu. Hein. Celle-ci, je vais pas mal, je vais la mettre ici. Donc celle-ci, si vous voulez faire la même, que vous retrouverez sur vos carnets, hein, sur vos blocs actions. Donc on va la mettre ici. Celle-ci, je vais la mettre là. Donc je vais la mettre par terre, puisque il y a déjà les cadeaux, donc je vais la placer comme ça. Ça vous donne la première. Je vais rentrer ça là. La première, ça vous donne ça. La deuxième, ça vous donne ça. La troisième, je regarde un peu ce que je vais mettre. Celle-ci est pas mal. Je vais la mettre sur le côté en haut, comme ça. Et après, je verrai ce que je peux comme décoration. Donc celle-ci sera en haut, comme il y a des guirlandes, nous allons la placer sur le haut. Ça vous donnera ça. Ensuite, on tourne, et là je vais mettre, je sais pas, ces deux petits, j'aime bien ces petits nounours, mais comme il y a une écriture, l'écriture, je vais l'enlever. Je verrai un petit peu, vous voyez, je tourne autour de l'image. J'essaye de faire des petites scènes, voilà. Des petites scènes comme des petits films, hein. Donc celle-ci, on va la mettre là. Et je verrai ce que je pourrais rajouter. Ici, voilà. Donc là, j'ai toutes mes scènes. Donc maintenant, je vais approfondir. Voilà, je vous les montre. Celle-ci, celle-ci, celle-là. Et c'est là. Maintenant, je vais rajouter des petites décorations. Donc, je ne vais pas rester, je vais le faire hors caméra. Vous rajoutez des petites décorations parce que ça serait trop long. Je vais vous montrer après. Donc, je vais aller sur mon autre bureau. Non, ben là, voilà. Donc, j'ai pris cette page, vous voyez, sur le livret, le nouveau livret, hein, toujours. Et il y a beaucoup de photos. Et je vous ai dit pour photocopier, vous mettez du papier blanc si vous ne voulez pas que ça. Que ça photocopie. Donc moi j'ai mis ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc je vais mettre du blanc, je range et je le passe sur ma photocopieuse. Elle va me donner tous les petits détails qui m'intéressent que je rajoute sur les petites scénettes. Je vous reprends tout. Le cube de fête est terminé. Donc j'ai mis presque toute la page d'illustration de mon nouveau bloc action. Hein. Donc là, vous êtes sur le devant. J'ai rajouté un petit nœud, hein, pour faire joli. Je trouvais ça assez sympathique. Donc je l'ai mis, je l'ai fait rentrer à l'intérieur de l'habillage. Et là aussi, donc si vous pouvez, mettez-le avant quand vous faites l'habillage, ça vous posera peut-être moins de problèmes. Mais vous savez, avec le scrap, on peut toujours faire des petites rectifications. Donc là, j'ai mis une petite fleur.
Donc de Noël, un petit peu avec un petit texte toujours de votre bloc action. Là, j'ai mis un petit lapin avec des cadeaux. Là, j'ai mis la merloie, des petits cadeaux. Ensuite, je vais vous montrer, je vais essayer de montrer l'autre. Voilà, celle la partie de devant. Donc j'ai mis, voilà, j'ai mis une scène d'animaux devant un feu de bois. Hein. Donc, et j'ai mis quelques petits flocons de neige. Je trouvais que l'image est très parfaite, donc je n'ai pas rajouté grand-chose. Ensuite, je tourne la deuxième face. J'avais mis les petits rats. J'ai rajouté une petite cheminée avec des cadeaux. Et là, j'ai mis, bien sûr, une inscription toujours de chez Action. Et là, j'ai mis des flocons de neige. Pour la troisième partie, voilà, j'ai fait une petite scène. J'avais mis le lapin avec le sapin. J'ai rajouté un petit lapin qui est toujours dans l'illustration de Action. Des cadeaux, la cheminée, des petites chaussons de fête avec des petits flocons. Après, nous avions celle-ci, pareil, hein, donc elle était assez jolie. Je l'ai laissée simple et j'ai rajouté des flocons de neige. Voilà, voilà pour notre cube de Noël. Mais par contre, vous savez, j'ai mis toujours de la colle paillette. J'ai mis de la colle paillette, je ne sais pas si vous le voyez, sur les cadeaux. Regardez, sur tous les cadeaux, pour que ça vous fasse un petit peu joli. J'en ai mis un petit peu au-dessus, là. Ici, j'en ai mis, bien sûr, sur les cadeaux et au-dessus de la cheminée. Et ici, pareillement, j'ai mis sur les cadeaux, sur la petite bourse ici. Je ne sais pas si vous, je, on la voit pas bien. Je ne vous l'ai pas mis correctement. Sur les cadeaux, sur la petite bourse, les petites bourses qu'elle porte, et sur les chaussettes de Noël. Voilà. Ici, je ne sais pas si je vous l'ai mis toujours sur les cadeaux. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. À l'intérieur, je vais l'ouvrir. Parce qu'à l'intérieur, comme c'est des fêtes, je l'ai quand même. Il me restait des illustrations. Donc, j'en ai fait quand même à l'intérieur. J'ai mis le petit ours. Attendez, je vous le montre. Le petit ours à l'intérieur. De l'autre côté, de même. Le petit ours. Et là, j'ai mis une petite scène. Voilà. De maison. Je ne sais pas si vous le voyez à l'intérieur. De maison avec le fauteuil, etc. Donc ça vous donne ça. Voilà, je me suis dit cette année, je vais vous proposer un petit cube de fête pour mettre des friandises, des cadeaux. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire le nœud, ce que je vais faire. Voilà, un joli nœud. Donc toujours les rubans de chez Action. Ceux-ci, ce sont de l'année passée. Je trouvais que ça faisait bien avec la boîte, avec les imprimés. C'était un joli vert comme ça. Donc j'ai fait ça. Et voilà pour votre cube de cette année de Noël. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Vous pouvez bien sûr réduire les dimensions, le faire plus petit. Mais moi, comme je voulais mettre beaucoup de friandises et de petits objets, de petits cadeaux, de petits jouets que je vais prendre à Action, des petits pour jouer dans la journée. Donc je voulais la faire déjà un peu en conséquence. Donc j'espère que cette création vous plaira. Je vous remercie, hein, comme d'habitude, d'avoir passé ce grand moment avec moi. J'ai été ravie, de vous proposer cette création. Je voulais vous remercier, remercier bien sûr mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.